Comment va la compagnie aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour de l'urbex, dans un bon petit spot, une petite maison bien niquée, la maison Grand Georges. C'est parti! Se retrouve là dans la cuisine. Je vous ai dit piqué, c'est pas piqué à moitié. Vieux pot à l'ancienne. Une cuisine des années 70, 80. On se retrouve dans le salon où il y a un Marcus. Mais t'es tout le temps là, toi! En ce moment, on fait mais qu'est-ce que tu fous là? C'est fou ça! Est-ce que t'aurais pas l'impression qu'en ce moment on vit plus à l'extérieur que chez nous? Ouais! Mais c'est quand même dingue, partout où je vais, je te croise quoi! Donc un petit salon. Vraiment diqué là, pour le coup. Hein. Ah bah là, pour du diqué. C'est tout ce que j'adore. C'est pas trop, mais juste assez en fait. Comment les cheveux sont de Dame Ginette? Ici, le coup, un salon à manger. Faut être motivé pour pouvoir manger. De soupe, un petit peu de soupe, allez, un petit peu de soupe. Bon, ici c'est un peu écroulé. Je sais même pas si on arrive à atteindre l'étage. Ça a l'air dangereux à souhait. De tenir. Ouais, pas si grand que ça en fait, elle est toute petite, mais la moitié écroulée. On a pas une grande maison, mais toujours sympathique à voir. Dans la maison quasiment. Vraiment cool ça. J'aime voir ce genre de choses. Ici c'est vide. Là, il y a un petit fourneau. Petit fourneau à charbon. On va essayer de voir si on trouve d'autres choses. Même des fruits, dis donc. De fruits, qu'est-ce que c'est comme fruit? Bon, il est tombé malade, mais j'aurais bien goûté. Ah, ici, une espèce de placard de cuisine. Merde. Boîte à gâteau. De peinture, de produits, un peu de tout. Une petite mandre sans aiguille. Je pense que c'est quand même mieux pour avoir l'heure. Une petite vestouille, de papier, un petit placard. On sort, c'est directement la nature.
Pas de compromis à faire. Encore un corps de ferme. Les vieilles charrettes à l'ancienne, dis donc. Oh, ça passe. Ouais. Bon, ça va que se finir ce spot. Mais tu vas faire combien d'intro? Mais parce qu'en fait, j'ai envoyé pas en fait. Mais combien d'intro tu vas faire? Ouais, c'est parce que je suis quelqu'un très... T'es déjà à la 232ème, hein. Non mais regarde, là... On a une longue journée, hein. Là c'est propre. Ouais, là c'est propre. Mais là, tout à l'heure, on voyait pas en fait. Abonnez-vous, hein. Ouais, abonnez-vous.